Il faut se dépêcher, Stéphane Rothenberg adresse message au prochain candidat de Pékin Express. Alors que la 17e saison de Pékin Express bat son plein sur M6, les inscriptions pour la prochaine saison sont ouvertes. Stéphane Rothenberg, présentateur de l'émission, a réagi sur Instagram aux nombreuses candidatures déposées et appelle les autres à se dépêcher. Ils se sont donné rendez-vous en Amérique du Sud, entre la Bolivie, le Brésil et le Paraguay. Les candidats de la 17e saison de Pékin Express vont s'en mettre plein les yeux. La diffusion du premier épisode du programme a été programmée le 16 février 2023 et depuis, les téléspectateurs suivent de près cette course effrénée vers la victoire. Qui succédera à Inès Reg? La suite de l'aventure nous le dira. Point. Mais déjà, les internautes s'offusquent de certaines nouvelles règles. Jeudi 23 mars 2023. Alors qu'Alexandra et Laura étaient éliminées, elles ont finalement été sauvées par une enveloppe noire non éliminatoire. Ce qui a profondément agacé les spectateurs. Les règles sont les règles et personne ne peut les contredire. D'ailleurs, Stéphane Rothenberg, présentateur de l'émission, est là pour faire régner l'ordre et s'assurer que tout se passe comme prévu. Ce qui est certain, c'est que la 17e édition de Pékin Express a donné envie à de nombreuses personnes de participer. C'est ce qu'atteste l'animateur sur son compte Instagram. Depuis que le site de l'émission a ouvert les inscriptions pour la prochaine saison, 20 000 dossiers ont été déposés. Vous êtes déjà 20 000 à vous être inscrit pour la 18e saison de Pékin Express. 20 000 en quelques jours et c'est vraiment super, a déclaré Stéphane Rothenberg mardi 28 mars 2023. Il a alors adressé un message à ceux qui souhaitent déposer leur candidature. Message pour ceux qui ne sont pas encore inscrits et qui veulent participer à la prochaine saison, il faut se dépêcher. En effet, le présentateur explique que les équipes de cast regardent les dossiers de candidature dans leur ordre d'arrivée. En d'autres termes, premier arrivé, premier servi. Alors tous à son inscription. Et comme le rappelle Stéphane Rothenberg, la vidéo de présentation peut être envoyée sur Tito cette année.